avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est monsieur Sacha Judasco. Quand on aime beaucoup, on s'emballe un peu. 65e passage. Ça va, mon Sacha ? Ça va très bien, et vous, Jérémy ? Écoutez, ça va bien, vous êtes en forme ? Petite forme, j'ai eu un accident il n'y a pas longtemps, mais ça va, je me remets tout doucement. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? J'ai eu un accident de scooter, c'était terrible, je plombe l'ambiance là, ouais. Mais malgré tout, on m'a dit, Sacha, viens pas faire l'émission. J'ai fait non, j'ai envie de donner du bonheur au public, j'ai envie de donner du bonheur au jury, j'ai envie de donner du bonheur à Michalak. Il est professionnel, ce mec, c'est pour ça qu'on l'aime. Ouais, Laurent, qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais j'espère que sa santé est meilleure. Vous avez passé un ketchup ? C'est méchant pour Michalak, c'est méchant. J'ai pas compris, moi je n'ai pas compris. Vous allez mettre l'animateur à contribution encore ce soir, mon petit Sacha ? Je ne sais pas. Parce que l'animateur peut vous mettre sa main dans sa gueule, hein, vous le savez. À tout moment, ça peut arriver. Non, je rigole, bien sûr. Sacha, on vous a imposé ce sujet. Hommage à Steven Spielberg. E.T., Indiana Jones, Jurassic Park ou encore Lincoln. Steven Spielberg est incontestablement l'un des plus grands réalisateurs producteurs de tous les temps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il sera chez nous en mai prochain pour présider le jury. Alors non, pas le jury dont on ne demande qu'à en rire, mais le jury du 66e Festival de Cannes, c'est déjà pas si mal. En attendant les beaux jours sur la croisette, Sacha Judasco lui rend hommage ce soir, un hommage à Steven Spielberg. C'est parti. Bon alors, je sais, Laurent, pourquoi vous m'avez donné ce sujet. À mon avis, c'est parce que bon, je suis un peu le Steven Spielberg de cette émission. Ah. Dans chacun de mes sketchs, il y a du décor, des interventions, des gadgets. Et bah, pour rendre hommage au plus grand réalisateur et producteur du cinéma, j'ai décidé de faire simple. Voilà, juste, je vais vous expliquer ce que Steven Spielberg a changé dans ma vie. Voilà, par exemple, depuis que j'ai vu Les Dents de la Mer, je ne peux pas m'empêcher d'aller à la piscine et de faire ta-dam, ta-dam, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tu vois, depuis que j'ai vu Indiana Jones, je peux pas m'empêcher, par exemple, de... Sacha, 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 Sacha. Doc ? Oui, oui, c'est bien moi, nom de Zeus. Je reviens du futur et je viens de voir ton sketch. C'est très mauvais, ne fais surtout pas ça. Tu vas avoir de très mauvaises notes, non, mais, Sacha. Non mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, dis-moi. Mais il faut faire comme pour le sketch de la dernière fois sur Bruce Willis. Les gens, ils veulent du costume, ils veulent de l'interaction, ils veulent de la cascade, ils veulent que tu en foutes sur la gueule de Michalak. Non, 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 ça suffit. Arrête, bordel. T'es vraiment sûr que les gens veulent voir ça ? Mais tout le monde le veut, tout le monde. Enfin, sauf Michalak. Bon, Doc, puisque tu viens du futur, est-ce que je peux te poser des petites questions sur le futur ? Est-ce que tu veux savoir les numéros du loto, si tes parents vont vivre plus longtemps ? Non, je veux savoir, est-ce que dans le futur, je vais enfin me taper une bonne gonzesse ? Écoute, je devrais pas te le dire, mais oui. Yes ! Mais ça va te coûter 50 euros. C'est pas cher. Doc... Puisqu'on peut voyager dans le temps, est-ce que tu peux me ramener dans le passé il y a trois semaines, le 28 février 2013 à 18h ? C'est possible, oui, bien sûr. Allez. C'est parti ! Attends. Babas, dedans, téléphone, maison. Allez, c'est parti. Bonsoir. Alors, vous m'avez donné comme sujet, c'est lui, la nouvelle star. Alexandre, ne fais surtout pas ton sketch, Sacha, Alexandre. Mais qu'est-ce que tu fous là ? Je viens du futur, il ne faut surtout pas que tu fasses ce sketch, tu vas te faire buzzer, Alexandre. Ah bon ? Ah, bon, d'accord, mais alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ben, je sais pas, moi, je sais pas, simule un mal de ventre, un évanouissement, enfin, je sais pas, pour une fois, joue la comédie. Ouais, d'accord. Bon, et merci, hein. Ok, jeu d'acteur. Ah ! Ouh là là, j'ai mal au ventre ! Je peux pas faire mon sketch. Ah ! Je souffre ! Attention, je pense que je vais m'évanouir. Je comprends pourquoi vous allez le buzzer, Métayer, ouais. Sacha ! Sacha ! Thierry Marquet ? Sauve-moi ! Sauve-moi, Sacha ! J'ai... J'ai fait 15 passages dans la première saison. Je veux réintégrer l'émission, Sacha ! Bon, allez, viens.
faut sauver le soldat Marquet. Il faut sauver le soldat Marquet. Bon, ils ont pas l'air chaud, hein. Attends, je vais essayer autre chose. Pourquoi tu demandes Indiana Jones? Parce que Thierry, pour retrouver tes 60 points, à mon avis, ça va être encore plus compliqué que pour retrouver le Graal. Le public! Est-ce que vous avez vu les 60 points de Thierry Marquet? Non! Et là, est-ce que vous avez vu les 60 points de Thierry Marquet? Oui, Thierry Marquet! Bon, c'est mal barré, Thierry. Bah, on a qu'à revenir dans le passé, comme t'as fait avec Alexandre. Le jour où, justement, j'ai raté mon sketch. Sois plus précis. Pourquoi? Parce que t'en as fait un paquet des mauvais sketchs, quand même. Tu sais, il y a eu le 15e, le dernier, il y a eu le 14e, il y a eu le 13e, il y a eu le 12e. Ouais, bon, mais ça va. Bah, c'est con parce que tu m'aurais laissé une minute, j'arrivais à ton deuxième sketch, il était excellent celui-là. Hein. Bon, je vais demander au doc. Doc. Oui? Est-ce qu'on peut retourner dans le passé le jour où il a raté son sketch? Mais pas de problème! Mais lequel? Parce qu'il y a eu. Il y a eu le 15e, il y a eu le 14e, il y a eu le 12e, le 13e, le 11e. Ça va. Allez, on y va. Oui. À tout à l'heure, dans le passé. Allez, c'est parti. Attends. Eh. Tu t'es toujours pas envolé là? Hein? Tu t'es toujours pas envolé là? Tu crois que c'est facile avec un vélib du con? Allez, c'est parti. C'est parti. Oh. Oh, bah mince. Je crois bien que je me suis trompé d'époque. Des dinosaures. Je vais leur donner de l'herbe à manger. Ah, elle, ça doit être une carnivore, je vais lui donner une côtelette. Oh. Un Gremlins! Il est tout petit, il a les oreilles pointues! Il n'y a qu'une seule façon de vérifier! Il faut le faire manger après minuit! Non. Il est 18h, c'est bon! Non, merde! Mange cet oignon! Tu me saoules! Ou alors il faut le mouiller pour voir! Désolé, Jérémy! Ça va, c'est... Je me suis trompé! Ce n'est pas un Gremlins! Désolé, Jérémy! Jérémy, je reviens du futur! Et j'ai vu le sketch! Je viens pour te prêter un kawaii parce que je crois que tu... Ouais. Apparemment, j'arrive trop tard! Doc, est-ce que tu peux me ramener dans mon époque que je finisse mon sketch? Oui, pas de problème! Allez, c'est parti! Attends! Oh. Babas, t'es toujours pas rentré chez toi, là? Ouh. Babas, t'es toujours pas rentré chez toi? Eh ben non, je suis revenu! Parce que même eux, ils disent que je fais pas partie de leur planète! Ouh! Bah, tu vas où, là, Babas? Eh ben, faut que je garde le vélib, sinon ça va me coûter le pot du cul. Allez, c'est parti. Ah, voilà, ça y est, on est revenu. Tu peux finir ton sketch. Attends, je vais prendre une précaution, quand même. Ah, tiens. Enfin. Oui, c'est vrai. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas aimé mon sketch, je vais vous demander de regarder dans la direction de ce laser, s'il vous plaît. Ça fait perdre la mémoire. Voilà, ce sketch était excellent, il mérite une très bonne note. Est-ce que ça mérite vraiment une si bonne note que ça? Attends, excusez-moi. Juste pour le jingle des notes, étant donné que c'est le moment d'angoisse, vous pouvez changer la musique, s'il vous plaît? Je préfère. «
C'était Sacha Judasco, on peut ne pas l'applaudir, bien sûr. Allez, vous pouvez applaudir, bien sûr, Sacha et ses petits camarades. Thierry Marquet, Cyril Etes. Alexandre Beaublanc. Thierry Marquet, je l'ai dit, et Bapas. On sent qu'il y a eu un petit effort au niveau du vélo, c'était pas facile à monter trois fois de suite. Hein. Alors, quelle note de merde pour Sacha? Allons-y, Laurent Ruquier, quelle est votre note? 20. Vous voyez les photos de moi? Je trouve très sexy comme ça, avec les cheveux mouillés, j'aime beaucoup. Ouais, bah, tu viens me prendre un petit bain à la maison la semaine prochaine. Alors... Ah non, bah, vous êtes tous invités, hein. Juste Michel. 20, c'est la note de Laurent Ruquier. Donc, Anso, quelle est votre note? 20. Catherine et sa côtelette. 19. Et enfin, Eric Métayer. 20. Bah, Catherine, pourquoi pas 20? Parce que... Non, je lui ai souvent mis 20, aujourd'hui je lui ai mis 19, mais ouais. Bon, je crois que maintenant, c'est tellement inventif ce qu'il fait, il crée c'est des petites pièces de théâtre, des petits films, non mais je dis bravo, et c'est vrai que les surprises avec vous, elles sont fortes. Je vais aller plus loin que vous, Catherine, il est devenu tellement bon qu'il n'a plus sa place dans cette émission, le mieux c'est qu'il se barre, vous voyez ce que je veux dire, il y a un moment donné. Voilà, partez, allez sur une autre chaîne, allez faire chier Cyril Hanouna, je ne sais pas, allez emmerder quelqu'un d'autre. Je sais pourquoi je lui ai mis 19. Ouais. Parce que j'en ai marre qu'il vous fasse souffrir. Mais non. Merci ma Catherine. Non, non mais la prochaine fois, ça sera vous Catherine, vous inquiétez pas. Elle n'en est pas question, là non, je m'en vais, moi je sors. Sais pas, parce que c'est un des rares films de Spielberg que j'ai pas vu, produit par Spielberg, les Gremlins. Il faut vraiment les mouiller pour que... Ils viennent très méchants. Donc voilà, ça se justifiait, quoi, je veux dire, il pouvait pas faire autrement. Bien sûr. Il n'a pas cherché un prétexte. Il a rendu hommage à tous les films de Spielberg. Voilà, et vous, il l'a fait comme ça. C'est... Non, franchement, vous ne pouvez pas lui reprocher. Merci, Laurent, merci. Et je crois que j'ai du bol qu'il n'ait pas réalisé Brokeback Mountain. 20, Laurent, votre note. Non, mais 20, parce que voilà, il pourrait faire l'ouverture du Festival de Cannes avec pour rendre hommage à Spielberg. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est le retour de Babas. Babas qui, en plus, ça c'est le miracle, Spielberg, a réussi à vendre une phrase. C'est quand même... Non, bah, c'est là qu'on voit que c'est un grand directeur d'acteur, Spielberg. Bravo. Avec le texte dans le panier du Vélib, quand même, au cas où. Hein. Ah oui, ah, je ne l'ai pas vu. C'est vrai? Anne-Sophie, vous avez mis 20. Ben, 20, c'est le couteau suisse de l'émission, quoi. Il sait écrire, il sait jouer, il sait faire... de la mise en scène, il joue avec le public, avec toi, avec nous. C'était magnifique, bravo. Eric Métayer, on conclut avec vous. Ouais, j'ai mis 20 parce que oui, c'est parfait. On s'est amusé, il y a une histoire, on rigole, on a envie d'en avoir et d'en avoir. Et l'angle, il est super. Et puis les retours de Thierry Marquet, Alexandre Beaublanc, des gens qui n'ont pas eu forcément la chance de faire d'autres passages dans l'émission et qui ont la gentillesse et le fair play de revenir dans l'émission. C'est très bien. Il est très bien, j'ai oublié son nom d'ailleurs. C'est vrai que Thierry, je le connais depuis longtemps, Thierry Marquet. Alexandre Beaublanc. Mais Alexandre, qui effectivement s'est fait éliminer ici, moi j'ai toujours pensé qu'il avait sa place ici parce qu'il a une vraie force comique, une façon curieuse d'interpréter les sketchs, mais je crois que Sacha, il l'a bien cerné, il l'a bien compris et il fait bien de l'utiliser. Voilà. Oui, allez, d'ailleurs, Sacha Judasco, on va faire le total de vos notes. Pas sûr que vous les méritiez, mais bon, allons-y, combien ça nous fait tout ça? Je voudrais bien... Ah bah oui, 79 points. Et je voudrais vraiment préciser, excusez-moi. Allez-y. Donc vraiment, remercier mais un milliard de fois, bien sûr, Babaz d'avoir fait le déplacement pour revenir. Un milliard de fois, Thierry Marquet, Alexandre Beaublanc qui se prêtent au jeu. En plus, ils ont un dixième degré énorme et j'adore. Et pas moi, tiens. Cyril Etes. Je remercie Romain Chélan avec qui j'écris mon co-auteur et qui est génial. Il y a un mec qui écrit ça en plus. Hein C'est ouais, en vrai, tous les passages sur vous, c'est vraiment que mon co-auteur. Hein. Moi, à chaque fois, je vous défends. C'est bien, voilà, raison. Et je fais ma promo aussi pour dire que je suis au Beau-Saint-Martin, je suis à Lille, je suis à Aix-en-Provence. Enfin voilà, vous cherchez si vous voulez me voir, vous trouverez. Tu sais pourquoi le mec il est malin? Parce qu'il savait que j'allais pas la faire parce qu'elle est pleine de flotte. Ouais, la promo. C'est très bien. Bien joué, Sacha. Allez, 79 points de la part du jury. Et on va rajouter la note de notre public ce soir pour ce nouveau passage. 79 plus. 19. Allez, salaud. Ainsi s'achève ce nouveau numéro d'On ne demande qu'à en rire. Nous allons...